Flying cow disease. Tor, har du köpt för något? Jag har köpt två fina t-shirts och en väggbonad. Vad fint. Det är gott att säga det, isn't it? Mais augmentation évidemment proportionnelle à l'abaissement de la surface en termes de viscosité. Voilà. La voile manque bien. Encore, 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 encore. On court, on court. Et on court jusqu'au bout. Et on court jusqu'au bout. Ils ont décollé la fibre de Bourgogne. On court à gauche, on freine à droite. Voilà. Encore la main droite. Encore la main droite. Et on court jusqu'au bout. Allez, on se penche en avant. Encore, encore. On relève doucement les mains et c'est parfait. On applaudit le pied qui vient de se prendre. En fait, il a pris un bon petit coup de pied. Et donc, Adam et Ève, le péché original. Originaire. La jeune fille qui est là fait son baptême de l'air. Ça fait comment de faire son baptême de l'air devant. Ni en parapente, ni en delta, ni par un autre moyen. Levez la main. Elle fait son baptême de l'air. Bravo à elle. Alors elle est venue ce matin, elle ne savait absolument pas ce qui allait se passer. Et là, ça doit être très très étrange pour elle. Africa Family. Direction quartier Otamai. Pour les blesser avec le meilleur. Comment pousse le meilleur. Comment cool, master. Avec une soupe, avec des skieurs, des sauteurs à ski. Et attention, couvrez-vous, car on signale des giboulées de neige. And that guy there is New York. Is doing. C'est eux qui font ça. Tout le monde a applaudi. Moi, pendant là, ça fait. Les valeurs sont véhiculées à travers ce message. Parce que décoller, déguisé en baignoire ou en skieurs de fond avec des planches au pied, c'est vraiment pas évident. Et je crois qu'on peut encore une fois en profiter pour les applaudir tous. Merci à tous ceux qui sont venus avec ces déguisements. Sur de voltige avec ce tumbling qu'il a amené sur l'Infinity Tumbling. Il a fait un tour absolument dans l'axe, dans le tumbling, renvoie de la vitesse sur la droite, gagner de la vitesse pour un tumbling sur la gauche et Infinity Tumbling, deux tours. Alors là, vraiment très très bien réussi. Alors ça, je vais vous dire, si on était juge et failli, ça, ça vaudrait des points. Ça vaudrait beaucoup de points. Regardez le 3-6 synchro, le 3-6 synchro tout en haut. Oh que c'est beau! Avec de l'Infinity Tumbling à gauche. Oh, regardez ça! De l'Infinity Tumbling bien rythmé. Ah, oh, regarde, c'est superbe. Vous avez là... Je voudrais bien, je voudrais bien, je voudrais bien, je voudrais après tout.
les deux. 3-6 synchro avec le fumigène pour Alexander Bessou. Ah, oh, c'est superbe! Superbe travail pour ces deux pilotes de haut niveau. Vraiment. Il abritera les célèbres familles comtales de Trois-Béarn, Gaston Fébus, puis le célèbre Henri IV en personne. Et maintenant que tu nous as un peu entendu, tu vas éventuellement lâcher les commandes pour déchirer, si jamais tu ne vois pas bien, pour déchirer ton déguisement pour y voir un petit peu mieux. Voilà. Alors qu'Adam et Ève repassent et distribuent des pommes. C'est vrai qu'il fait de la balance. Le fruit défendu, vous remarquez qu'ils sont tous les deux. Bah demain, en fait, c'est pas trop prévu comme voilà, donc, c'est toujours des vols. Se fait d'une manière peu habituelle, mais néanmoins efficace. D'ailleurs, je pense qu'on peut faire un bel applaudissement de soutien à ce nouveau mari. Attention, notre montre religieuse, Thierry Hortel, va s'envoler. Alors on a la ligue contre le concours qui est pas mal. On a un créneau devant là en ce moment à la rupture de pente qui est pas mal, mais sur la part face pour l'écopage. Là vous avez pu apprécier le côté positif du moniteur de parapente qui nous dit que le pont. Ah il a pas l'air de me croire. Ah bah si. Waouh, et regarde maman, regarde, il y en a plein en l'air déjà. Ah bah oui mon petit chéri, tu vas voir, tu vas être très très beau là-dedans. Ça va Martin? Je te dirai, hein, quand... Hello, have a nice flying in Sweden. Thank you. Bye-bye. Vinka eller något? Hej! Good boy. Nu ska vi flyga igen. Det var en lossning. Ja, det var en kärlossning.